À tous, on se retrouve pour mon deuxième accouchement à domicile. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets ci-dessous la vidéo de mon premier accouchement à domicile avec la vidéo FAQ qui vient compléter la première vidéo. Voilà. Alors, mon deuxième accouchement à domicile, il a été à la fois très difficile à mettre en place. Mais aussi, enfin, à la fois extraordinaire dans le sens où j'ai eu pratiquement zéro symptôme, le bébé était vraiment calme, j'ai eu l'impression de ne pas avoir été enceinte en fait pendant 9 mois, donc c'était assez magique parce que c'est vrai que le premier accouchement, bah, le bébé bougeait énormément, surtout la nuit, je faisais beaucoup d'insomnie, j'avais beaucoup de symptômes, c'était plus pénible à vivre, mais l'organisation, elle, par contre, elle a été facile à mettre en place parce que j'avais la sage-femme juste à côté, voilà. Donc bon, j'ai vécu deux grossesses vraiment différentes. Hein. Là, je rejoins toutes les femmes qui disent d'une grossesse à l'autre, ça n'a rien à voir. Alors là, je confirme, c'est vraiment d'un enfant à l'autre une nuance énorme. Donc je vais vous expliquer un petit peu de A à Z comment ça s'est passé. Alors tout d'abord, il a fallu que je trouve donc pour moi c'était logique de faire un deuxième accouchement à domicile, bien que j'aurais pu pour l'expérience me dire tiens j'essaye à l'hôpital, mais non, j'en avais pas du tout envie, et c'est ce qui a fait que j'ai cherché par tous les moyens d'accoucher à domicile. C'était très important pour moi, surtout que bon, bah, le premier s'était bien passé, donc voilà, dans l'optique, le deuxième, il n'y avait pas de souci non plus. Donc, trouver une sage-femme, ça a été compliqué parce qu'à cette époque-là, on était en Normandie, et en Normandie, il n'y a pas de sage-femme qui pratique à domicile. Et je pense que ce n'est pas la seule région. Quand on sait qu'il n'y a qu'une cinquantaine de sages-femmes qui font à domicile en France, ça reste très, 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 très light. Et c'est bien dommage, hein, parce que c'est vrai que, ouais, non, là, de ce côté-là, je suis un peu déçue. Sur le moment, j'étais un peu mal. Je me suis dit, bon, ça commence bien. Comment on va faire? Alors, j'ai contacté des sages-femmes qui étaient 3 heures de route, 4 heures de route, 5 heures de route, pour savoir si c'était possible qu'elles me prennent en charge malgré la distance, en sachant que j'aurais loué un gîte par chez elles le moment venu de l'accouchement. J'ai eu pas mal de refus, du coup, je me sentais pas trop bien, hein, pour tout vous dire, j'étais vraiment embêtée en fait. Je me disais non, non, c'est pas possible, je ne veux pas, surtout qu'en plus là où j'étais, ben l'hôpital non loin de là où j'aurais dû accoucher si j'avais fait à l'hôpital, je n'aimais pas du tout parce que j'avais eu un premier contact que je n'avais pas senti, mais alors du tout. Et pour moi c'était hors de question, quoi. Même s'il fallait que je fasse à l'hôpital, ça aurait pas été dans celui le plus proche de chez moi, c'est sûr. Donc du coup. Eh ben, j'ai contacté ma première sage-femme, pour certaines vous connaissez sans doute Françoise Serve, qui a fait des vidéos sur YouTube aussi, elle a témoigné et raconté un peu son vécu de sage-femme. Et donc je l'ai contactée et je lui ai dit « Françoise, je suis au bout du bout, là j'ai vraiment envie d'accoucher à domicile et il n'y a rien autour de chez moi, comment faire quoi ?» Alors elle était prête à me prendre en charge, elle me dit écoute, pas de panique, voilà, moi il n'y a pas de souci pour que tu descendes dans le sud, on s'organisera, voilà, ça peut se faire. Donc très arrangeante, et puis elle me dit mais bon, on va quand même essayer de trouver une solution entre, donc elle a réfléchi de son côté, et puis elle m'a envoyé 2-3 numéros de sage-femme qu'elle connaissait. Parce que des fois ça arrive qu'elle fasse des réunions, voilà, bon, elle se retrouve de part et d'autre de la France.
Et donc je suis tombée sur ma deuxième sage-femme qui elle a accepté de me prendre en charge. Alors 3 heures de route pour y aller. Donc j'y ai été la première fois au premier rendez-vous. Et sur le retour, j'ai dit ça va pas être possible, je crois, de faire ça tous les mois. Je le sentais pas, surtout qu'en voiture, en étant enceinte, je suis un peu pénible, un peu flippée. Enfin bon. Voilà, donc premier rendez-vous s'est très bien passé, vraiment bon contact. Et je lui ai expliqué que ça n'allait pas être possible pour moi de faire tous les mois venir. Donc elle a aussi accepté de ne. Comment dire que je fasse avec une autre sage-femme, tout simplement, qui elle fait est à domicile, mais qui ne fait pas les accouchements à domicile, vous voyez. Donc voilà, tous les mois j'ai été, enfin presque tous les mois, parce que j'ai pas fait tous les rendez-vous non plus. J'ai été voir la deuxième sage-femme. Pareil au niveau des examens, j'ai pas fait tous les examens. J'ai fait un peu comme je voulais, hein. Je me suis un peu arrangée pour que ça se fasse, comment dire, au moins médicalisé possible en fait, voilà. D'ailleurs, au niveau des échographies, c'est pareil, je les ai pas fait toutes. Les échographies, j'ai énormément de mal avec les échographies. Déjà, la première grossesse, ça avait été très très pénible pour moi de les vivre. J'avais eu un très mauvais souvenir. C'était un homme qui le faisait et je ressentais vraiment. J'avais l'impression d'être une vache qu'on a inséminée là, ou je sais plus comment on dit, mais du style, on n'a pas, le monsieur n'avait pas forcément le ressenti et n'était pas à l'écoute de la femme et y allait assez brutement, sans vraiment, c'est normal quoi, du style. On appuie fortement sur le ventre sans vraiment se poser de questions parce qu'il fait ça avec tout le monde. Donc voilà, sauf que moi je l'ai vécu douloureusement, le palpé, mais aussi l'échographie en elle-même, c'est-à-dire que la machine me brûle, mais vraiment sensation de brûlure. Alors que bon, quand c'est vrai que quand on touche la machine, hein, c'est froid, mais voilà, au niveau des ressentis, j'avais l'impression d'être brûlée à chaque fois. Et le fœtus, lui, qui était vraiment en opposition à l'échographie, on l'a toujours vu sur les échographies que le bébé était tourné, ne voulait pas. Ça a été toujours très difficile, que ce soit pour moi comme pour le bébé. Donc déjà, Luna, 3 fois, je l'avais fait. Mais là, la première fois, pour la deuxième grossesse, je l'ai faite, mais après, non, j'ai refusé. J'ai expliqué justement à ma sage-femme que je supportais pas, ça me faisait mal, quoi. Je le vivais difficilement. D'ailleurs, Raphaël, pour l'échographie, il avait fait la vidéo et on voyait, j'étais comme ça, non, au secours. Et là, pas la sage-femme, mais celle qui me faisait l'échographie ne comprenait pas, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas du tout l'habitude et tout le monde le vit bien. Et surtout que la machine pour elle, voilà, il n'y a aucun effet néfaste. Enfin bref, ça a été un peu difficile pour lui faire comprendre que ce n'était pas contre elle, mais que c'était moi réellement qui le vivais très mal du fait de ces sensations-là que j'avais qui me faisaient mal, quoi. Et que c'était pas contre elle. Donc bon, voilà. Donc du coup, j'ai pas fait les autres. Ma sage-femme aussi, voilà, a acquiescé ça, elle a compris. Et puis de toute façon, on n'est pas obligé, hein, de faire les échographies. Donc voilà, à partir du moment où c'est que tout se passe bien et que tout va bien, ben voilà, c'est bien. Donc revenons à nos moutons. Donc voilà, suivi avec une autre sage-femme, les examens non loin de chez moi. Et on s'est revus finalement juste pour l'accouchement. Alors, dans tout ça, il fallait trouver un gîte près de chez elle. C'était pas le tout, mais pour accoucher. Alors là, pendant les 9 mois, et dès le début, au début, la sage-femme me disait, oh, tu t'y prends peut-être un peu tôt, mais non, non, dès le départ, j'ai essayé, essayé, essayé. J'ai eu énormément de refus sur le Bon Coin, les gîtes sur les sites. Les gens n'acceptaient pas du tout que j'accouche chez eux. En plus, il y avait la piscine, donc il y avait la peur de la piscine qui se trouve avec l'eau qui part. Enfin, énormément de peur. J'ai ressenti là le décalage. C'est vrai que moi, je vis les choses tellement normalement et simplement que des fois, je suis un peu dans ma tête. Je me rends même pas compte que ben oui, c'est vrai que tout le monde fait les accouchements à l'hôpital. Enfin, beaucoup plus de personnes qui font à l'hôpital que à domicile. Donc du coup, j'ai même choqué, hein. J'ai eu des retours. Non mais va accoucher à l'hôpital, quoi. Qu'est-ce que tu fais?
Bon, pendant 9 mois, ça a été la galère. Et donc, énormément de refus. J'ai même essayé sur BRNB. J'ai essayé par vraiment plein du piston aussi. Parce que bah, du coup, ma sage-femme a essayé de me trouver des personnes qu'elle connaissait. Enfin, bref, on a tout essayé et ça ne voulait pas marcher. Donc, je commençais aussi de nouveau là à flipper. Là, j'en rigole, hein, mais j'en ai pleuré quand même parce que pour moi, c'était vraiment important de le faire à domicile et je ne le voyais pas autrement. J'avais l'option de le faire toute seule chez moi, mais j'aime bien avoir toujours cette petite sécurité au cas où, voilà, le au cas où. Et donc, voilà, bon, c'est vrai que pour les 2 accouchements après, avec le recul, j'aurais pu le faire toute seule, c'est sûr. Mais non, j'ai bien aimé. Puis j'aime bien la relation avec la sage-femme. J'aime aussi le fait de maintenir leur métier, hein, et voilà, de favoriser ça, quoi. Donc j'ai lancé un appel sur Facebook et sans expliquer vraiment ma problématique, parce que voilà, je suis assez toujours discrète sur ma vie privée, j'aime pas forcément toujours tout étaler au grand jour. Et donc j'ai juste demandé est-ce qu'il y a des personnes qui habitaient aux alentours de là où j'avais besoin. J'ai fait ça une première fois, ça n'avait pas trop marché. Et la deuxième, j'ai une prénommée Kaline qui s'est portée volontaire, qui m'a dit, écoute, bah, d'abord, c'est vrai qu'elle a déménagé entre-temps. Donc au départ, ça aurait été un peu dur parce que ma sage-femme était trop loin de chez elle. Et puis entre-temps, il s'est passé qu'elle a déménagé plus près de ma sage-femme. Et donc, elle s'est proposée gentiment et je la remercie, Kaline. Plein de bisous. Et du coup, au départ, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de faire différemment. Donc j'ai continué d'essayer de trouver un gîte parce que je voulais pas déranger Kaline là en l'occurrence. Mais finalement ça s'est passé que bah, ne trouvant pas, il m'a fallu quand même dire oui à Kaline. Et donc j'ai été chez elle une première fois pour prendre contact. Enfin d'abord au téléphone hein, bien sûr. Et puis ensuite on a été chez elle. On a été accueillis gentiment. Et bah, ma foi, le courant est bien passé, et puis ça s'est bien déroulé par la suite, hein, j'ai envie de dire, même très bien. Donc, comme je vous avais dit, on a été en voiture quelques jours avant que j'accouche. Donc, on a tout lâché une semaine avant, je crois. C'était le 20, on est parti le 20 ou 21, je sais plus maintenant. Le 20 et le 21, oui, bah non, 3-4 jours avant, parce que j'ai accouché le 24. Donc, 3-4 jours avant, on s'est dirigé vers chez Kaline. Et vraiment, pas loin de chez elle, à 1,5 km, il y avait un petit coin fort sympathique avec un petit ruisseau, une petite rivière, un petit coin pour garer la voiture, avec il y avait une poubelle, il y avait un coin pour faire pipi aussi, il y avait les toilettes. Enfin, vraiment, tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien. Il y a eu le soleil aussi, on a eu vraiment des belles journées. Donc, on a passé nos journées paisiblement dans ce coin assez relaxant, en étant tranquille dans la voiture. Et il y a eu un jour où c'est qu'il a fait très, 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 très chaud. Et j'ai dit à Raphaël, écoute, là, il faudrait faire à Luna un dessin aujourd'hui, enfin maintenant, pour qu'elle offre à son frère quand je vais accoucher. Donc le matin, vers les 11 h, déjà ça tapait fort le soleil, la petite a fait son petit dessin pour son frère qu'elle est arrivée. On a mangé. Et 2 3 heures après, j'ai eu la perte des os qui a commencé. Alors, comme pour le premier accouchement, moi j'ai adoré ça parce que du coup ça se fait en douceur, j'adore. C'est une fissure simplement, donc du coup tu as un petit peu d'eau, enfin un petit peu d'eau, déjà pas mal, hein, mais. Excusez-moi, ça a coupé. Alors, normalement je sais pourquoi, mais là je ne sais pas, donc bon, voilà, soit. Donc, du coup, j'en étais à la journée où j'ai commencé à avoir la fissure et donc la perte des os qui commençait. Et donc le soir, vers 4-5 heures, parce qu'au début c'était très léger, puis de plus en plus, donc j'ai dit on va aller chez Kaline installer tout le matériel nécessaire pour ben voilà, être prête si ça vient à tout moment. Donc on y a été le soir, installer tout ça, et puis on est reparti en voiture, dormir vers le coin là. Et j'ai passé une nuit assez difficile parce que donc j'avais des contractions qui sont venues dans la nuit, toutes les 2-3 heures, même moins. Non, ouais, plus, plus,
toutes les 20 minutes. Oh, je sais plus, mais très douloureuse et je me sentais pas bien et je commençais à avoir du sang dans la perte des os, ce qui veut dire que le col commence à bien travailler. J'ai passé, il y avait par contre ça c'était magnifique, c'était le ciel était dégagé, il y avait plein d'étoiles et c'était trop joli. Bon, Raphaël et Luna dormaient comme pas possible et donc moi réveillée comme pas possible, je regardais le ciel. Et j'ai demandé toujours à l'univers que ça se passe bien et vite. Et donc le lendemain, ben les contractions s'étaient calmées dans la matinée. Donc bon, j'ai contacté ma sage-femme pour lui dire que ça, ma foi, ça commençait à travailler. Et on a attendu et c'est revenu que vers les 2-3 heures. Et vers les 2-3 heures, je me rappelle avoir dit à Raphaël, parce que bon, lui, il est du 27. Et on était ce jour-là le 24. Et moi, je voulais pour son anniversaire que ça vienne le 27. Et donc, je me sentais de repousser l'échéance, de maintenir le bébé et de faire un maximum de repos pour pas que ça se passe et de concentration. Et j'ai demandé quand même à Raphaël avant, j'ai dit, écoute, dis-moi, toi, comment tu vois les choses? Et il m'a dit, non, ma chérie, franchement, laisse venir quand ça vient et détends-toi et voilà, sois cool, il n'y a pas de souci. Donc, à partir de là, il me propose d'aller faire les courses. Alors, je lui dis, ouais, ça va déclencher tout, c'est génial. Allez, allons faire les courses avec la perte des os et tout le tintouin. Ouais, bon, on est un petit peu barré. Mais on est allé faire les courses. Bon, je l'ai laissé aller au magasin tout seul quand même parce que j'avais des contractions qui revenaient bien costaud. Il était 3 à 4 heures. Et puis, dans la voiture, je sentais que ça travaillait, il faisait chaud, j'en pouvais plus. Je me suis dit quand même quoi, faut le faire hein, de vivre ça en bagnole. Mais bon, c'est l'aventure. Et donc il revient et je dis bon, moi je commençais, là je rigole mais je souffrais hein, des contractions quand même, j'avais mal. Hein, et je dis à Raphaël, putain, si je vis ça encore pendant 3 jours, parce qu'en fait j'avais peur avec Luna, j'ai fait ça, j'ai fait du faux travail pendant 4 jours. C'est que j'ai souffert toutes les heures à avoir des contractions, pour que la sage-femme elle me dise non, c'est du faux travail, ça va pas venir encore, tout va bien. Et là, je me disais non, quoi, j'ai pas envie de vivre ça pendant 4 jours encore. Oh là là, c'est. Moi, ce que j'aime pas, c'est souffrir. Voilà. Ça, c'est le truc. J'ai pas de peur que ça se passe mal, d'angoisse, de quoi que ce soit, mais j'aime pas souffrir, quoi. D'ailleurs, c'est un peu aussi pour ça que je suis dans le cru et que je suis dans je veux la santé et je veux me sentir bien et être bien, quoi. J'ai pas envie de souffrir et d'être malade. Donc sur le même principe, alors je dis à Raphaël, écoute, on va quand même chez Kaline parce que là, j'aimerais être un peu tranquille sur le canapé, prendre une petite douche, me sentir bien, quoi. Je savais pas encore que ça allait venir, mais je dis là, c'est bon, quoi, on y va. Et donc vers 17h, 18h, on a été chez Kaline. Chez Kaline et Michel, parce qu'elle a son homme aussi, Michel, que je passe aussi un coucou, bien sûr. Et donc du coup, il a été chercher Kaline à la gare qui revenait de Paris. Pendant ce temps-là, Raphaël, il jouait avec Luna dehors parce que Luna était un peu excitée, sentait que bon, il y avait quelque chose qui se travaillait. Donc du coup, ils sont partis dehors. Et moi, j'étais dedans et je sentais vache, fou, contraction costaud, quoi. Et je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, pleure tant que tu le peux, parce que quand c'est vraiment le travail, tu peux pas pleurer, t'es trop dans l'action et il faut y aller, quoi. Donc du coup, je me suis mise à pleurer et j'ai dit à l'univers, je dis vraiment, là, il faut que je sache si c'est du faux travail ou du vrai travail, j'en peux plus. Je ne veux pas vivre ça pendant 3 à 4 jours. Et je savais pas, C'est vrai que là, sur le moment, ouais, non, je savais pas si c'était du faux travail et ça me travaillait, quoi. J'ai pris une bonne douche et donc j'ai dit, Kaline est arrivée et voilà, j'ai expliqué que c'était des contractions costauds, j'en pouvais plus. Et puis tout doucement, bon, au fil du temps, les contractions continuaient. 20h, 20h, là, 20, vers 20h. Là, je commençais vraiment c'était douloureux. C'est douloureux les contractions de toute façon. Donc du coup, je dis à Kaline, mais j'avais fait pareil parce que ça l'a étonnée. Mais j'avais fait pareil pour mon premier accouchement, c'est-à-dire qu'il y a une phase
Making up, c'est j'ai un cheveu à côté. Il y a une phase en fait où tu as tellement mal que t'as pas envie d'avoir mal et de souffrir. Alors tu te dis, je veux aller à l'hôpital et je veux qu'on fasse la césarienne, tu vois, pour dans l'idée arrêter de arrêter tout. Je veux plus souffrir, quoi. Et j'avais fait pareil pour mon premier accouchement. Je regardais la sage-femme, mais par contre là, j'étais en plein travail. Et je lui dis, emmène-moi à l'hôpital, fais-moi une césarienne, fais quelque chose. Franchement là, fais quelque chose. C'est trop douloureux. J'en ai marre. Et donc à ce moment-là, quand je me suis vue dans cet état, ben là, chez Kaline, à être dans la même dynamique, ben, je pense avoir compris que j'étais en vrai travail. Et à partir de là, donc, je me suis mise dans la piscine. Et je me suis mis en mode guerrière où c'est que là, il fallait y aller et c'était maintenant, il fallait pousser et faut que ça se passe, quoi. Juste un peu avant, j'ai eu la sage-femme au téléphone et moi, j'avais vraiment, je voulais pas la déranger si c'était du faux travail. Donc je lui ai dit, écoute, je sais pas si c'est du vrai ou du faux travail et donc ne viens peut-être pas forcément tout de suite, attendons un peu. Moi, ouais, voilà, c'était vers les 20, 21 heures. Bah 21 heures d'ailleurs, ouais, c'était le dernier coup de fil, ça devait être 21 heures, un petit peu avant même encore, parce qu'elle avait 1 heure et demie de route, elle. Et elle me dit, écoute, non, je viens. Je dis, bon, ok. Donc là, je raccroche et je continue le travail. Alors, il y avait ma fille, elle était tombée dans les bras de Morphée depuis bien longtemps. Elle avait senti les 2-3 contractions que j'avais eues costaud et pouf, quelques temps après, elle s'est endormie. Elle était dans la même pièce. Et Kaline et Michel aussi dans une autre pièce. Donc, on était tout seul avec Raphaël, ma fille et moi. Et je sentais là que c'était du vrai travail, donc là j'y suis allée, quoi. J'ai fait des sacrées poussées 3-4 fois, vraiment costaud. Et Raphaël, alors lui, il savait toujours pas si c'était du vrai ou du faux travail. Moi j'étais tellement dans mon truc que je ne lui disais rien. Il fallait y aller. Alors lui, il m'avait dit par contre, bien avant, hein, quelques semaines avant, que c'est vrai qu'il aurait bien aimé que je sois en position jambes écartées devant lui et que je pousse et que le bébé vienne et qu'il puisse prendre la tête et tirer un peu, avoir le plaisir de prendre le bébé et voilà, de le sentir venir. Donc moi, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et il y a eu une belle contraction où c'est que j'ai senti qu'il y avait la tête et j'étais en position comme pour le premier accouchement, accroupie. C'est vraiment là où je me sens le mieux, dans la piscine. Et j'ai dit, ouh, la deuxième, c'est bon, ça va sortir. Donc je me suis tout de suite mis en position pour Raphaël. Et donc là, j'ai bah, crié, hein, forcément, bah, comme pour un peu Luna, à quelque chose près. Ouais, c'était kiff kiff bourrico. J'ai gueulé un bon coup et j'ai dit Raphaël, il y a la tête, vas-y. Et donc il a pris la tête. Donc parce qu'au niveau des épaules, il y a un premier soufflement, ça s'arrête quand la tête est passée, il faut redonner un coup pour les épaules. Et donc là j'ai dit vas-y, tire. Et au moment où j'ai dit tire, je pousse pour que forcément bah, le bébé il sorte. Et donc il le prend. Et là, on voit notre fils qui a 3 tours de cordon autour du cou. Ni une ni deux, tous les deux, on enlève ça. Allez hop, tac tac tac, on réfléchit pas. On enlève les cordons. Et puis, alors, mon fils, ben, en fait, comme il a été pendant 9 mois pendant la grossesse, et puis il s'arrête. Luna, ma première fille, quand elle est sortie, ça a été un cri du tonnerre de Zeus, tous les voisins ont entendu, quoi. Ça a été très puissant, une très grande puissance de voix et encore aujourd'hui et de force, quoi. Et du coup, je commençais à flipper. Je me suis dit, il n'était pas violet, il était tout rose, tout bien. Mais bon, ouh, t'es là, t'es réveillé, quelque chose? Et puis Raphaël, il me dit, mais oui, tout va bien. Puis moi, sur le moment, je dis, mais non, il n'a pas crié, quoi. C'était pas assez perceptible pour moi. Et puis je le secoue un petit peu, quoi. Je le brusque un peu. Puis il se met à chouiner. Donc je dis, ah, c'est bon, tout va bien. Donc voilà. Et puis après, bah, finalement, la sage-femme est arrivée. Donc là, j'ai la sortie du bébé. J'appelle la Sacha, je lui dis bah, écoute, on a accouché, enfin j'ai accouché, voilà, c'est fait, bon, bah, j'arrive dans 20 minutes, parfait, pas de souci, on t'attend, quoi. Et donc, on s'est, voilà, on a savouré le moment, du coup, le cordon ombilical et le placenta est sorti que par la suite, hein,
Et le placenta est sorti aussi facilement que la première fois. J'ai juste eu à pousser au moment où elle me l'a dit, et puis c'est sorti. Donc ça, c'était génial. Raphaël a coupé le cordon. Tout s'est très bien passé par la suite. Je suis restée 4 jours chez Caline, et puis après, on a bougé. Que dire de plus, si ce n'est que tout s'est très bien passé? Et qu'on a été heureux de le vivre que tous les deux finalement. Et je remercierai jamais assez de toute façon, Kaline. Je te remercierai jamais assez pour nous avoir permis de vivre ça. Et on a été très heureux de le faire aussi avec vous à côté. C'était une magnifique expérience. On a été ravis. Et c'est dans l'idée, nous, on veut plus d'enfants, donc c'est le dernier. Ça aura été le dernier accouchement et ce sera vraiment magnifiquement bien passé, quoi. Alors je vais prendre deux trois questions que j'avais eues pour la première vidéo de mon accouchement, une question référence par rapport au retour de couche. Alors c'est revenu que 2 mois après, ouais que 2 mois. Luna, c'était 4 mois mon retour de couche, et là 2 mois. On a repris les rapports sexuels 10 jours après. Pour le premier accouchement, c'était 1 mois. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a une petite parenthèse, c'est que pour Luna, j'avais eu une petite fissure à la sortie. Donc, du coup, les saignements avaient duré 3 semaines. 3 semaines, ouais. Et ça avait été assez intense de ce côté-là, au niveau des saignements. C'est ce qui aussi a fait que j'étais pas mal fatiguée. Et alors que là, il n'y a pas eu de fissure parce que j'ai mis de l'huile de coco avant d'aller dans la piscine. J'ai badigeonné la partie d'huile de coco. Avec Raphaël, on s'était dit qu'il fallait le faire parce que ça pouvait aider. En plus qu'on est dans l'eau et que ça se dilate bien. Oh, j'ai une coupe de cheveux moi aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc, ce qui fait que ça a été rapide et ça s'est bien fait. J'ai pas eu de fissure, donc ça s'est remis en place très rapidement. J'ai vraiment eu cette sensation que mon corps s'est remis de cet accouchement très rapidement. Je me sentais vraiment bien. J'avais pas. Non, c'était super. Super, super. Cordon ombilical, qu'est-ce qu'il y avait à dire? C'est Raphaël qui l'a coupé. Et le placenta, j'ai fait comme avec Luna. On l'a mis au déshydrateur, on a fait sécher, on l'a mis dans des fioles et on a marqué voilà ta maison pendant 9 mois. Alors j'ai fait le tour des questions. Je voulais faire une petite parenthèse sur le fait que, enfin préciser que ma fille s'est réveillée que le lendemain matin. Voilà, donc du coup, elle a rien vu, rien calculé. Puis ma foi, c'est pas plus mal parce qu'elle était toute petite et puis elle a senti de le vivre comme ça. On a laissé faire aussi de ce côté-là les choses. On lui avait bien expliqué avant, bien sûr. Voilà comment ça s'est passé. Alors, je voulais également remercier mon homme qui me supporte depuis 5 ans déjà et qui a été super sur ces deux accouchements. Il a supervisé en fabriquant un système d'eau chaude sur une piscine premier prix normale. Voilà, pour mon bien-être, il a été derrière de A à Z. Et c'est vrai que je suis très fière de lui. Il s'occupe merveilleusement bien de nos deux enfants et de moi. Il prend soin de nous. Et c'est vrai que sans lui, ces accouchements n'auraient pas été pareils. J'ai vraiment la sensation qu'à deux, on est une force. Et je le remercie vraiment d'être à mes côtés parce que c'est pas tous les jours évident, hein. Oui, je suis chieuse à mes heures perdues. Voilà, chérie, je t'aime fort et j'espère qu'on arrivera à surmonter les épreuves de la vie, surtout maintenant qu'on est à quatre, encore longtemps. Voilà, c'était la parenthèse sur mon homme. Écoutez, moi je souhaite que toutes les femmes qui veulent accoucher naturellement soient vraiment portées par la force de vie qui les habite pour pouvoir mettre au monde leur bébé du mieux possible. Voilà, j'espère aussi que le fait de témoigner, ça puisse aider certaines à se lancer et à ne plus avoir peur, hein, parce que c'est souvent la peur qui est un frein sur énormément de points d'ailleurs. Hein. La peur et le conditionnement. Alors un dernier point que je voulais voir avec vous et que je n'avais pas fait lors de ma première vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu, pour toutes celles qui sont intéressées de se lancer pour faire un accouchement à domicile, de savoir un peu le déroulement et comment s'y prendre.
Donc alors, la première étape, c'est de rentrer en contact avec une sage-femme près de chez soi. Alors pour ça, c'est vrai qu'il existe des listes sur Internet. Il me semble que j'ai mis sur mon site Internet à moi du côté accouchement à domicile la liste justement. Donc c'est vrai qu'il n'y en a qu'une cinquantaine en France, donc c'est un peu limite. Mais c'est voilà, pour commencer, essayer de voir justement s'il y en a une ou pas près de chez soi. Alors, ensuite, il y a deux cas de figure. Donc, la première, c'est celle que j'ai vécue pour mon premier accouchement. C'est quand on habite à maximum 1 heure de la sage-femme et maximum à 30 minutes d'un hôpital. Voilà, généralement, c'est comme ça que ça marche. Si on est au-delà par rapport à l'hôpital, la sage-femme peut refuser. Et également, si on est à plus d'une heure de chez elle, elle peut refuser aussi. Tac, tac, tac. La deuxième est celle aussi que j'ai vécue finalement, hein, mais qui est plus difficile mais faisable. Donc, c'est qu'on n'a pas de sage-femme dans notre département. Alors là, faut trouver un lieu, un gîte près de la sage-femme et de l'hôpital. Donc voilà, faut vraiment conjuguer les deux. Et trouver une sage-femme qui accepte aussi de vous prendre en charge. Pas évident. Surtout que, bon, vu qu'elles sont pas beaucoup, elles ont énormément de travail. Généralement, ça marche bien pour elles. En tout cas, les deux que moi j'ai eues, ça marchait bien. Ça courait de partout. Donc ensuite, il y a de multiples façons de se faire suivre pendant la grossesse. Il faut savoir que il n'y a rien d'obligatoire en fait pour les rendez-vous de tous les mois. Pour les échographies, pour les examens, prise de sang, etc. Rien n'est obligatoire maintenant. C'est vous qui décidez aussi. Je veux dire, on est aussi maître de son corps. Et c'est aussi une relation avec la sage-femme. On sait que c'est bien de voir qu'est-ce qui est le mieux, de discuter. Voilà. Bon. En tout cas, c'est bien de savoir que c'est pas obligatoire. Alors ensuite, avec la sage-femme, on va pouvoir lui expliquer comment on visualise son accouchement, nos souhaits divers, comme par exemple garder le placenta, couper le cordon ombilical bien, bien plus tard qu'à la sortie du bébé. Par contre, ce qui reste obligatoire, c'est le rendez-vous du 8e mois pour s'inscrire à l'hôpital au cas où il y a un problème. C'est vrai que c'est mieux, ils ont le dossier sous la main. Et puis le rendez-vous anesthésiste. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je crois. Donc après, les tarifs des sages-femmes varient entre 300 et 1 800 euros, qui n'est pas remboursé par la Sécu, parce qu'elles prennent toujours la partie remboursée par la Sécu. Il y a certainement des mutuelles qui prennent en charge, pas toutes, faut voir. Et puis voilà, les prix varient d'une région à l'autre. Voilà. Ah oui, en plus il peut y avoir les transports parce qu'en fait au début des premiers rendez-vous avec la sage-femme, c'est nous qui allons la voir et les 3 derniers mois, il me semble, c'est la sage-femme qui vient pour prendre les repères par rapport à la maison et tout ça. Donc des fois, elles peuvent faire payer les transports. Alors ensuite, hop, je continue sur. Voilà, alors après l'accouchement, la sage-femme nous délivre un certificat qui va pouvoir. Oh, si je vise, c'est mieux, moi. Qu'on va pouvoir emmener, pardon, dans les 5 jours à la mairie. Alors au début, c'était 3 jours, là, c'est passé récemment à 5 jours pour déclarer l'enfant. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, à 6 mois, le papa peut aller faire la déclaration à la mairie pour déclarer que c'est le père. Alors ensuite, dans les 8 jours qui suivent, on peut aussi faire le rendez-vous médecin, voir si tout va bien, soit par la sage-femme, soit par le médecin. C'est aussi possible par la sage-femme, pour le savoir. Bon, après, il faut qu'elle accepte aussi. Eh bien voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Après, n'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions, parce que c'est vrai que là j'ai pas mal papoté et puis je peux toujours oublier des informations. Donc, écoutez, moi j'ai été ravie de vous faire partager mon deuxième accouchement à domicile et j'espère que ça servira à certaines d'entre vous, voilà, tout simplement. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo où c'est que je vais vous présenter notre maison sur roues. Voilà, allez, bye bye!